Putain, comment je me suis démerdé. Je me suis bloqué le dos. Oh. Aïe, 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 la fafa. Une douleur. Oh. Alors, on dirait que j'ai 70 ans. Ça y est, je lui ai mis des petites boucles d'oreilles la semaine dernière. Et je lui ai coupé un peu ses cheveux. Pichounette, elle est toute belle. À mon cœur, tu es toute belle. Mais c'est une magicienne. Elle est sortie de son chapeau. Me dites pas qu'elle va mettre le chapeau. Mais c'est le chat beauté. C'est le chat beauté. Oh. Chapeau. Chapeau, bravo. Chapeau. Beau. Mets-le, mets-le. Chapeau. Mais... dangereux là, bébé. Chapeau. Mais prends le chapeau. Mets-le sur la tête. Ouais. Prends le chapeau, mets-le sur la tête. Vas-y. Vas-y, chapeau. Oh, chapeau, bravo. Tape des mains. Bravo, bravo. Oh. Et tu peux pas faire ça 15 mois, ça n'existe pas ce que tu fais. Tu es une génie. Chapeau. Ah, casquette. Casquette. Mes casquettes. C'est plus dur là. Ah, plus dur, hein. Oh. Comme Oda, ok, hey, hey, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux seul, t'audit tété. Donc, Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez. Oui, mon petit crabe. Ah, c'est le gâté à papa. C'est le gâté à papa. Oh là là, c'est le gâté à papa. Tu as vraiment pas ma tête, toi. C'est vraiment la tête à ta mère. Enfin, je crois, hein. Je sais pas. Moi, je vois pas de ressemblance. Hein. Elle me fait le gâté, ma beauté. Oh. Elle est énervée. Le français, je suis... Internet. Ben, je sais pas. Internet. Ah, ben, je sais pas ce que ça veut dire. L'internet, c'est le nettoyage. C'est des boîtes à terrine. La publicité. Stéphane Curry, viens. Viens, Stéphane Curry, envoie le ballon. Fais-moi 3 points, fais-moi 3 points, fais-moi 3 points. Vas-y, envoie. Ouais. VVV, Stéphane Curry, ce qu'il fait. Bim. Je pars en mer. Oh là là, de la bombe. Hein. Prendre un peu des couleurs, des vitamines B, A, C, E, W, X. On se la fait la bonne franquette. Hein. Ah, glaciaire. On se la fait vraiment la bonne franquette. Hein. Il est en galère. On a laissé porter tout. Tu es costaud, hein, gros. Ouais. Qui c'est qui fait du rugby? Ça s'appelle. Voilà. Arrête.
Elle est fraîche. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est fraîche? Elle fait 28 degrés. Mais toi, tu étais une surface winneuse. Tu étais une surface. Ou tu étais surface, mais. Allez. J'ai peur de rentrer. Me dis plus jamais que tu veux faire du surf. Tu le sais? J'ai peur des requins en votre truc. Mais qui requin? Mais Anja. Allez. Tu vois un requin, tu me l'as dit. Hein. J'appelle. Allô, requin? Quel truc là? Allez, vas-y, s'il te plaît, tu es dans l'eau. Vas-y, tu ronges. Rongeuse professionnelle. Là, là. Tu veux voir? Allez, Béa. Putain. C'est un problème, hein. Allez, ciao. Ça va, les pots. Elle fait sa star. Son frère va prendre photo. Ah, mes lunettes. Ah non, elles sont là. Il est concentré, le minot, sinon il se fait engueuler. C'est un de belles photos, ça. Sinon, après, t'engueule. Nah. En immersion totale. I want love. Gotta have a lot of love. Gotta have a whole lot of love for you to live again. Le premier produit que j'ai utilisé, c'est le Revitalash. Donc c'est celui-ci. Ça vient de l'atelier du sourcil. Donc là, j'ai fait un make-up complet d'une routine de tous les jours. J'aime bien les make-up assez naturels. Ils sont pas trop extravagants. Surtout qu'avec cette chaleur, j'aime pas mettre de poudre, etc. Donc ce genre de produit, mascara, fixateur de sourcils, des huiles pour les lèvres, crayons à lèvres, c'est vraiment des indispensables que je prends à chaque fois qu'on part en vacances. Mais je voulais vous faire un update de ce produit que j'utilise maintenant depuis quelques semaines. J'ai jamais eu de longs cils. Je n'ai jamais eu des très beaux cils. Puis que j'applique ça. Donc à chaque fois, avant mon mascara, j'attends que ça sèche. Et j'en mets aussi le soir avant d'aller me coucher. Même si vous vous maquillez la journée, vous pouvez l'appliquer avant. Il suffit juste d'attendre que ça sèche. Ensuite, du coup, j'ai appliqué le mascara par-dessus. Et l'avantage de ce produit, c'est qu'en fait, il va venir renforcer vos cils, les rendre plus longs. Donc, ça va activer la pousse des cils. Ça a été vérifié par des ophtalmos, vérifié dermatologiquement. C'est vegan, sans allergène. Ça va venir nourrir vos cils. Comme je vous ai dit, les rendre plus forts. Ça va plus intensifier le regard puisque vous allez avoir des plus longs cils. Vous allez même voir un résultat assez rapidement parce que pour ma part, je l'ai vu quand même au bout de quelques semaines. En l'appliquant matin et soir, je fais comme ça moi. C'est sans huile et hypoallergénique. Je vais aussi vous parler des autres produits que j'ai utilisés puisque j'ai utilisé donc le fixateur pour les sourcils, le mascara, l'huile pour les lèvres. Et le crayon à lèvres, perso la couleur j'aime trop, ça fait une couleur hyper naturelle mais un peu rosée. C'est tout ce que je préfère dans le style de crayon à lèvres et rouge à lèvres que je mets tout le temps au quotidien. Je vais vous laisser l'offre, l'atelier du sourcil, et je vous fais d'abord un petit update de tous ces produits. Le crayon, on est sur quelque chose qui a une très longue tenue et il est hyper bien pigmenté. Ici, c'est un fixateur de sourcils. Il a une durée de 24 heures, donc pendant 24 heures, en gros, vous êtes tranquille avec des sourcils qui sont bien fixés avec un petit effet brow lift. Le mascara, perso, moi qui ai des cils très fins, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas des gros pâtés. Ça va vraiment venir
et séparer correctement les cils et bien les rallonger avec une jolie couleur noire qui va donner un joli regard, et l'huile pour les lèvres qui va venir nourrir, hydrater en même temps et donner un effet un peu gloss. Franchement, j'adore. Donc voilà, mon petit maquillage du jour. Très très simple, avec cette chaleur, c'est vraiment mes indispensables, parce que avec la transpiration, mettre de la poudre, du fond de teint et tout, vraiment pas ma came. Donc voilà. Danse, Georgia. Allez, danse. Georgia. Danse à papa. Danse à papa. Georgia. Finale des femmes, basket contre les Américains. J'espère qu'ils vont prendre leur revanche. Allez les filles, faites rêver un peu le peuple français. J'ai la motivation qui est à zéro. J'ai envie de reprendre le sport dès demain. Parce que si j'attends début septembre, mais j'arrive pas à me remotiver. Quand j'arrête le sport, vraiment pendant un moment, genre pendant un mois et demi, deux mois, je sais pas où elle est cette motivation, le moteur, ou je sais pas. Je crois que le sport, il faut jamais arrêter en fait. Même si c'est un peu par jour, il faut jamais arrêter là. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Il faudrait que je trouve ça, cette motivation. Le sport demain. Oh non. Le soin de visage, tout, la coiffure. Ouais. J'ai morflé, bébé. Mais en fait, on prend de l'âge, on a des enfants. En fait, faut accepter que c'est la vie, en fait. C'est ma tronche. Tu m'as plus, s'il te plaît. Non, ça va, tu n'as pas trop changé. Toi, tu es belle. Toi, tu es belle. On n'est pas. Oh non, c'est pas vrai, je suis pas belle. C'est l'amour qui parle. C'est pas vrai. Ah non, tu es très très belle. Non, non. I love you. Love you. Une fraîcheur, bordel de nouilles. Oh là, on va encore se faire avoir sur le fil. Il reste une minute, trois points de retard. Oh là, il faut le mettre, lui. Oh. Eh ben voilà. Aïe, 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 aïe. À un point près, c'est même pas un panier. C'est un point. Perdu les garçons contre les Américains, perdu les filles contre les Américains. Bref, c'est le sport. Bonjour mademoiselle. On va faire de la cuisine toutes les deux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Des pancakes. Avec de la carotte. On sent. Et des pancakes avec le haricot vert. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients aujourd'hui? Des œufs, de la farine, du lait. Ah, de l'huile de noix. Maman, elle a fait un petit peu de levure. Je te mets la farine et toi, tu vas mélanger, d'accord? On va mettre un œuf. Mais qu'est-ce qu'on a oublié de mettre? Achoum! Bon, t'as quand même éternué dans mes pancakes. J'ai pas envie de manger des pancakes à la crotte de nez. Waouh, waouh! Un petit peu de levure. C'est une recette super facile à faire. J'ai préalablement mixé les carottes et les haricots verts. Non mais encore? Mais t'es en train de démissionner ou je rêve là? Tu veux mélanger? Bravo! Elle veut que manger là en fait. Hein. Un petit peu d'huile de noix dans le pinceau. Miam miam miam. Ça a l'air bon, c'est ça? Tiens, ouh là là. La coquine. Maman. Les pancakes, ils sont colorés. Elle est drôle. En train de faire bordel.
j'ai décidé que maintenant on va faire un pestac. Pomme de rainette et pomme d'api, d'api, d'api rouge. Tourne, tourne, joli moulin, nage, nage, petite main. Désolée, mais elle attend que ça. Tu veux goûter carotte ou haricot vert? Choisis, lui ou lui. Regardez comment c'est joli. C'est tout coloré. Je vais pas le donner, ça va, c'est pour toi. À bientôt. Dis-moi, je vais manger tous mes pancakes. Tiens. À bientôt. Voilà. Allez, si je me motive pas, je me motive plus, j'y arriverai pas à reprendre. Donc c'est parti, let's go. Si j'attends début septembre pour me remotiver, début septembre, j'y arriverai pas. Donc j'en profite que j'ai reçu il y a un mois en arrière, un mois et demi, mes petits berlingots. Je rattaque dès aujourd'hui, voilà. Même si je pars en Corse la semaine prochaine, je m'en fous. Je vais essayer de réguler tout ça. Mon petit berlingot, mon petit shaker, 400 ml d'eau, berlingot le matin, repas libre le midi, berlingot le soir, pour la perte de poids rapide et gourmande. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas le prendre le soir et le matin, c'est pas possible pour moi. Donc là, je me le prépare pour demain matin. Il faut que je me motive, que je reprenne le sport, que j'aille courir, que je fasse des tractions, qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je débloque ce petit truc là dans ma tête parce que j'y arriverai pas sinon. Bon, ma femme, elle vient de me dire que ce soir, elle me fait un méga repas. Donc je vais me préparer pour demain matin. Mon petit berlingot. Donc, c'est ça qui est intéressant. Du sucré, du salé. Il y en a pour tous les goûts. Banane, choco, mangue, stracciatella. Vous pouvez le boire chaud ou froid. Vous mettez 400 ml d'eau. Et ensuite... soit vous le prenez à emporter au travail, si vous faites du sport, ou soit vous le prenez sur le moment. Saveur cookie, hop là, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Je mets le petit capuchon, et il est déjà, il sera prêt pour demain, voilà. Au moins dès que je me lève, je prends mon petit slow shake. La motivation. Let's go. Montre, perdez du poids rapidement, on va découvrir tout ça. Vous avez soit le programme en 15 jours, l'objectif pour s'affiner, soit dire au revoir au kilo en 30 jours. Voilà, on va cliquer sur, ben si vous cliquez sur le 30 jours, vous avez moins 10% supplémentaire. Mais partons sur les 15 jours. Il y a 25 saveurs à sélectionner. Hop, mangue, passion, coco, cheesecake. Et le salé pour le soir, pâte au bolo, pesto, etc., etc. Hop. Ensuite, on va continuer. Vous prenez un shaker qui est gratuit ou électrique. Et en plus de ça, c'est les promos d'été. Pag à 15, moins 15% à partir de 80 euros d'achat. Donc voilà, vous allez avoir moins 15% directement en cliquant sur le lien ou sinon en rentrant ou en mettant le code promo Pag à 15. Et je vous embrasse, motivez-vous. Je vais essayer de reprendre. Piano, piano, on va y aller, mais il faut reprendre. J'ai oublié de vous dire un truc très important. J'ai reçu, il y a 15 jours, ouais, 10 jours avec bébé, on a reçu ma marque d'électrostimulation que je suis en train de, enfin, que je développais depuis 3-4 ans. Et je l'ai reçu à 10 jours. Mais bon, il y a 10 jours, ma fille a eu la coqueluche et tout, et j'ai pas repris le sport, etc., etc. Donc là, c'est incessamment sous peu où je vais m'enfiler cette combinaison en électrostimulation où je vais pouvoir faire du sport en toute liberté. Faire du paddle, courir. J'ai reçu les combis, elles sont en bas. Je vais essayer de me motiver demain, soit la mettre ou soit vraiment je reprends début septembre parce que là, il faut que je me remette un petit peu dans le rythme. Mais c'est une dinguerie. Je vais vous montrer ça, vous allez péter votre tête. Vous allez me dire, Paga, Paga, où c'est qu'on peut le prendre? Je vous jure, pour ceux qui s'y connaissent en électrostimulation, on est le top du top. Policiers, aviateurs, agents SNCF, voici les métiers de nos médaillés olympiques. Les athlètes professionnels ne peuvent pas vivre de leur sport et leur rémunération repose sur d'éventuels sponsors ou sur des primes remportées en compétition. Il n'est donc pas rare que des champions olympiques aient un emploi en parallèle. Ma fille Adriana, depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, enfin qu'elle est rentrée ou qu'elle est sortie,
Ils lui ont donné les antibiotiques, qui l'ont perfusé, etc., etc. C'est trop compliqué. On a un bébé agité, alors qu'elle n'était pas du tout agitée. Elle a du mal à s'endormir maintenant. Je sais pas, là, elle est au bout du rouleau. Elle pleure depuis 7 heures du soir. Elle vient à peine de se calmer un petit peu. C'est dur. Je vous raconte pas comme c'est dur, je vous jure.